aquesta conferència de premsa en francès i en català. Coordinaré les intervencions entre els tres llocs i traduiré les vostres preguntes cap al francès si ho necessiteu al moment de les preguntes. Donc, je vous remercie à tous par votre présence aujourd'hui. Nous souhaitons également remercier nos partenaires de Barcelone, notamment Peninsula, qui se trouve aujourd'hui au Canodrome. Peninsula est le gestionnaire, l'entreprise qui gestionne le Canodrome Parc de Recerca Creativa à Barcelone. Mais également, à Palma, nous avons nos partenaires qui sont aujourd'hui au Parc BIT, aux îles Baléares. Et nous souhaitons également remercier toutes les personnes qui nous suivent par le biais du streaming, par le biais de nos canaux YouTube, Facebook et Twitter. Donc, volem donar-vos les gràcies avui per la vostra presència. Agrair especialment als nostres col·laboradors de Barcelona, Península, que es troben avui a Canòdrom, i als nostres companys de Palma, que són avui al Parc BIT a les Illes Balears. Donc, le déroulé de la conférence de presse sera le suivant. Donc, nous allons donner la parole tout d'abord à Perpignan, ensuite ça sera Barcelone et on finira par Palma. Ensuite ça sera le tour des questions, de vos questions, aussi dans le même ordre. D'abord Perpignan, ensuite Barcelone et Palma. Et on finira avec les questions qui nous arriveront depuis le streaming, depuis les réseaux sociaux. Donc, el planning de la conferència de premsa serà el següent. Començarem per la intervenció de Perpignan. Tot seguit Barcelona i acabarem amb Palma. Després hi haurà el moment de les preguntes amb el mateix ordre, Perpinyà, Barcelona i Palma, i acabarem amb les preguntes que arribin via l'estreaming. Donc, aujourd'hui à Perpignan, on compte avec la présence de notre président, monsieur Fabrice Laurent, qui est président de l'Université de Perpignan, monsieur Bernard Sanz, Xavier Bernard Sanz, qui est le directeur de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, et Julien Lugan, qui est le directeur du programme Miron. Donc, avui amb nosaltres, aquí a Perpinyà, ens acompanya Fabrice Laurent, qui est le président de la Universitat de Perpinyà, Xavier Bernard Sanz, el director de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, et Julien Lugan, qui est le directeur du programme Miron. À Barcelone, nous avons la présence de M. Simon Lee, qui est le directeur de Peninsula, et M. Patrick Torrent, qui est le directeur exécutif de l'Agence catalane de tourisme de la Generalitat de Catalogne. À Barcelona, ens acompanya avui el senyor Simon Lee, qui és el director de Peninsula, i el senyor Patrick Torrent, director executiu de l'Agència Catalana de Turisme. I, per finalitzar, tenim els nostres companys a Palma, on es troba la senyora Isabel Busquets Hidalgo, que és la vicepresidència, que és a la vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears, i el doctor Llorenç Huguet, que és el rector de la Universitat de les Illes Balears. Donc a Palma, depuis Palma, nos acompaña madame Isabel Busquets Hidalgo, que és la vicepresidenta del Govern de les Illes Balears, en charge del Ministeri de l'Innovació, la Recerca i el Turisme, mais également le docteur Llorenç Huguet, que c'est le président de l'Université des îles Baléares. Merci beaucoup, donc on vous donne la parole. On commence avec M. Fabrice Laurent, président de l'Université. Merci. Merci. Je laisserai des petits temps pour la traduction, c'est ça? Non, non, vous pouvez parler. Oui. D'accord. Bonjour à toutes et à tous, Madame la vice-présidente du gouvernement des îles Baléares, chers collègues, président, recteur de l'Université des îles Baléares, monsieur le directeur, messieurs les directeurs, que ce soit à Perpignan, de l'Eurorégion, bien sûr, du Canodrome de Barcelone ou de Miro, bien évidemment, monsieur le directeur aussi, monsieur Torrent. Mesdames, messieurs, chers collègues, chers partenaires, chers journalistes, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse donc de Miro Incube, deuxième version. Je suis très heureux, alors bien sûr en tant que président de l'université, mais aussi en tant qu'initiateur, porteur du programme Miro, alors là avec une autre casquette qui est celle d'enseignant-chercheur, parce que quand j'ai imaginé le projet à l'époque, fin 2011, avec Jean Melkelil, qui était d'ailleurs président de l'université à ce moment-là, qui m'a aidé aussi beaucoup, quand j'ai imaginé ce projet,
Je voyais un certain nombre de choses en matière de formation, de transformation des pratiques, d'amélioration et de diffusion de nos partenariats transfrontaliers. Je le voyais dans le domaine de la formation, je le voyais dans le domaine, bien sûr, de la diffusion, de l'innovation, mais très honnêtement, je ne le voyais pas déjà à ce stade, avant la fin du programme, finalement un lien autour de l'innovation, de l'apport aussi à l'activité socio-économique, du lien avec des partenaires de cette qualité, de ce prestige, comme le premier réseau des incubateurs que nous avons créé il y a quelques mois et qui va se concrétiser aussi à travers cette très belle manifestation que nous programmons, qui est Miro Incube 2. Et très honnêtement, cette brique, finalement, Miro Incube, que nous avons pensée, progressivement avec Julien Lugan et avec toute l'équipe, avec tous les partenaires, nous ne l'avions pas initialement dans le programme. Et c'est ça qui est beau quand on fait des démonstrateurs, c'est que finalement on peut faire évoluer les projets, on peut finalement compléter les dispositifs lorsque ça nous paraît pertinent. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Il y a eu aussi la création de l'incubateur dans lequel nous sommes aujourd'hui, du PVD Incube, qui a été, que j'ai lancé donc, là aussi à peu près à la même période dans mon esprit. Mais la réalisation donc, s'est faite l'an dernier, c'est terminé l'an dernier avec déjà donc, tous les projets incubés. Et c'est vrai que le lien naturel qu'il y a aujourd'hui entre finalement un démonstrateur autour de l'innovation, des innovations en matière de formation, mais pas que. Formation initiale, formation continue, innovation au sens large, et puis finalement insertion professionnelle également. Le lien avec cet incubateur, et du coup avec le réseau transfrontalier des incubateurs, avec Barcelone et Îles-Baléares, devient quasi naturel. Et le fait que Miro impulse cela et qu'aujourd'hui on soit tous ensemble autour de cette belle manifestation et que déjà, dès la deuxième édition, on puisse envisager ce niveau, cette échelle de concours Miro Incube, avec en simultané ce concours à Perpignan, à Barcelone et au Baléares, c'est quand même une prouesse. Et je félicite aussi pour le coup les équipes et tous les partenaires qui sont engagés, et bien sûr l'Eurorégion qui nous accompagne en la matière. Donc ça, c'est une prouesse absolue. Deuxièmement, c'est porteur de sens, de beaucoup de sens, puisque là, on parle quand même au sens large des innovations dans un domaine qui est quand même une des activités économiques numéro un pour nos territoires et notre Eurorégion, qui est le tourisme. Et on le relie finalement aussi à un des enjeux mondiaux d'avenir, qui est bien sûr l'impact du numérique et du digital au sens large dans nos sociétés et dans nos modes de fonctionnement. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec cette en simultané. Je voyais tout à l'heure d'ailleurs une traduction simultanée aussi sur la vidéo, qui est un des marquages aussi d'ailleurs du programme Miro avec Miro Translate et le partenariat que nous avons avec Microsoft, qui en est un marqueur de ces innovations. Donc, aujourd'hui, cette deuxième édition que nous vous annonçons aujourd'hui, qui aura lieu du 20 au 22 février, si ma mémoire est bonne, avec une finale qui aura lieu le 25 février à Barcelone, donc, et on en reparlera tout à l'heure, c'est tout simplement exceptionnel, je pense. Je suis très très heureux et très fier, très honnêtement, de porter cette action et que Perpignan ait pu impulser cela avec nos partenaires. Et je trouve que mettre en lumière, mettre en avant ces innovations avec ces partenaires, avec une finale lors de cette manifestation qui aura lieu le 25 février avec tous nos partenaires, est absolument remarquable. Voilà. Et je trouve que là, nous sommes en train de prendre une autre dimension. Quand je dis nous, c'est le réseau que nous avons créé avec ce réseau des incubateurs euro-régional. Et je pense que bon nombre de partenaires vont continuer à nous rejoindre autour de cette dynamique parce qu'elle a du sens pour tous et qu'elle est porteuse d'espoir. Voilà. Donc, un grand bravo aux équipes pour cette organisation. Donc, on va vous présenter, bien sûr, après plus en détail le programme. Mais en tout cas, sur le plan stratégique aussi, à l'heure où on parle de plus en plus des universités européennes et de l'appel à projets d'universités européennes,
là aussi, que nous portons avec nos partenaires, y compris des îles Baléares notamment, tout ceci prend une tournure et un sens tout particulier, et surtout une dimension particulière. On n'est pas sur un petit concours isolé dans une zone donnée. On est sur un concours euro-régional avec des partenaires de prestige, de standing, et avec des moyens de le faire. Voilà, donc maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Voilà. Plus qu'à laisser la créativité, les idées, les porteurs se manifester et puis venir proposer leurs idées et les challenger durant ce concours, qu'ils soient de Barcelone, des îles Baléares, de Perpignan ou de l'ensemble d'ailleurs de l'euro-région, ils seront les bienvenus. Voilà. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais c'était important pour moi de resituer un petit peu cette deuxième édition dans un programme d'ensemble. Voilà. Merci beaucoup. On donne la parole à M. Xavier Bernard-Sanz, directeur de l'Euro-Région Pyrénées-Méditerranée. Doncs, pren la paraula al senyor Xavier Bernard-Sanz, director de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània. Bonjour a tous, bon dia a tothom. Bon dia als amics i col·legues de Palma, vicepresidenta, rector. Molt content d'estar amb vosaltres. I bonjour à nos amis de Barcelone, Patrick et Anne-Simon. Merci, président et Julien, de votre invitation. D'abord, l'Euro-Région, pourquoi nous sommes là? Puisque c'est la deuxième édition, nous étions déjà à vos côtés et ce projet-là, je suis tout à fait d'accord avec vous, a pris une ampleur qui même nous a surpris et on est vraiment heureux d'avoir été avec vous dès le départ. C'est une ambition partagée parce que pour nous ce projet, qui au départ était un projet qui est venu de la base, qui est venu de l'université, qui est venu de l'incubatrice Cube, a tout de suite intéressé à la fois, l'écosystème catalan, nord et sud, et aussi les Baléares. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu, nous, faire partie dès la première édition du jury, des coachs. On a été donc déjà, à travers la Generalitat et le gouvernement de Baléares, présents lors de cet événement-là. La région Occitanie aussi, que je représente, j'ai oublié de le rappeler, nous sommes trois régions. Donc ici, nous sommes en région Occitanie, et je représente donc ma présidente Delga, et bien sûr la présidente actuellement, la Generalitat de Catalogne, qui va changer donc très très bientôt, au mois de février, avec les Baléares. Donc nous avons là vraiment l'écosystème de l'innovation. Le tourisme, vous l'avez dit, président, c'est prioritaire de nos trois régions, puisque nous sommes à nous trois le pôle touristique le plus important au monde, hein, il ne faut pas l'oublier, en termes de nombre de nuitées et nombre de touristes. Et la commission innovation, tant la commission de tourisme de l'Euro-Région soutient ce projet, donc donner le prix euro-régional qui sera remis, donc le président l'a dit, à l'issue, donc les deux jours, nous serons aussi présents ici du 20 au 23, au 22, donc les trois jours à Perpignan, tant au niveau des coachs que du jury, et le 25, donc nous serons aussi à Barcelone pour la remise du prix euro-régional, puisque pour nous c'est vraiment important de soutenir les acteurs, tant créateurs, tant chercheurs, et on espère qu'il y aura, je fais l'appel aujourd'hui, puisqu'il y a, à la fois le monde, des médias, mais aussi les chercheurs et les entrepreneurs, de venir se présenter. C'est vraiment un beau projet, et ça vous donnera, je pense, un beau tremplin, à la fois pour nos incubateurs, mais aussi pour nos territoires. Donc venez nombreux, plus il y aura de concurrence, de compétition saine, mieux ça sera, et on est vraiment, on diffusera, et on aimerait que vous diffusiez pour que le plus de monde vienne, que ce soit l'Euro-Région, de nos villes, et même de manière plus globale, de toute l'Europe et d'ailleurs même. Donc vous êtes tous les bienvenus, et on est très très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Merci. Donc on passe la parole à M. Julien Lugan, qui est le directeur du programme Miro. Donnem la paraula, ara parlarà Julien Lugan, qui est le directeur du programme Miro. Merci. Je vais apporter quelques précisions, mais extrêmement rapides, puisqu'on a prévu un support vidéo qui vaut bien mieux que certains discours. Je voudrais souligner trois choses très rapidement. La première, c'est la dynamique de réseau. Le président Laurent a insisté, mais je crois qu'on est vraiment là dans une dynamique qui est en train de se créer. Et on ne pensait pas, il est vrai qu'on a lancé ce projet de réseau d'incubateurs régional au printemps dernier, hein, lors de l'inauguration à peu près, ici de l'incubateur, qu'on puisse porter aussi vite un concours, ça c'est la première chose. Et quand on parle de dynamique de réseau, c'est à plusieurs niveaux. Ce que je voudrais saluer,
l'intérêt et la présence de l'incubateur Nubo de Toulouse, avec lequel on est en contact étroit, et je pense que ce sera un partenaire à venir dans les mois qui viennent, même si c'est une décision collective, mais qui montre qu'il y a là un processus qui est enclenché, qui est véritablement intéressant du point de vue de la vie d'un écosystème qui est en train de se mettre en place et de se développer. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'était quand même le remercier aussi plusieurs personnes qui ont eu un rôle fondamental dans la création de ce concours, de cet écosystème. Il y a bien sûr Sarah, que je veux remercier publiquement pour son investissement, mais aussi l'ensemble de l'équipe du programme, parce que le programme Miro porte beaucoup de projets d'innovation au sein de l'université. Je dirais que Miro Incube, ce n'est pas notre cœur de métier, c'est fait partie de nos fonctions, de nos tâches. Mais derrière tout ce que vous voyez, il y a du développement informatique, il y a de l'infographie, de la coordination de projet, il y a plein de choses. Et je crois qu'il est important de remercier publiquement l'équipe qui s'investit sans compter dans des projets, des beaux projets. Mais bon, la réussite de ces projets, c'est aussi la preuve de l'investissement de cette équipe. Puis dans les remerciements, je pense aussi à des gens qui nous ont fait confiance dès le début. On parlait de partenariats de haut niveau. Le président Laurent l'a évoqué. Je pense à plusieurs personnes aujourd'hui. Je pense à l'Organisation mondiale du tourisme, Omar Valdez, qui est un partenaire de premier plan. On en est à une deuxième convention de partenariat. On a vraiment poussé là très loin la collaboration et on peut compter avec le soutien de l'Organisation mondiale du tourisme, vraiment parce qu'il s'est investi lui aussi dans le programme. Je pense à Pierre-Louis Chèque aussi, mais sur un concours, sur l'échelle d'un incubateur l'année dernière, à l'échelle de plusieurs incubateurs cette année. Il est un conseil permanent pour nous et c'était de mon devoir de le saluer publiquement. Puis je pense aussi à Madame Charon de la French Tech aux relations internationales, qui a guidé, conseillé Sarah dans la mise en place de ce concours, dont je vous prie d'excuser l'absence, parce que vous le savez, la French Tech est en pleine réorganisation. Mais on sait qu'on peut compter sur leur soutien et on peut aussi compter sur leur présence lors de la finale à Barcelone. Et ça, je crois que c'est très important. Cette communauté d'innovation qu'on est en train de créer à travers le réseau d'incubateurs, ben, je crois que c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup, qui les interpelle. Et c'est pour nous très important de pouvoir compter sur le soutien de la French Tech. Alors une troisième chose pour terminer, sur le déroulement du concours, quelques détails, même si le communiqué ou le dossier de presse, les réseaux sociaux, le site dédié, l'appli dédié, nous y reviendrons, vous donneront tous les renseignements nécessaires. Alors, il y a plusieurs choses originales, c'est qu'on organise un concours simultané en trois lieux. Ce qui, à ma connaissance et à la connaissance des gens qu'on a pu consulter, spécialistes du domaine, est quelque chose d'à peu près inédit. Ça, c'est le premier niveau d'originalité, c'est rassembler en trois lieux des gens sur une même thématique et les faire concourir. La deuxième chose qui est très originale, c'est l'échange permanent que l'on va organiser lors de ce concours, c'est-à-dire qu'il y aura trois ateliers. Un atelier sera organisé par chacun des incubateurs et diffusé en direct pour les candidats des autres présents, soit à Palma, soit à Barcelone, soit à Perpignan. Et on veut inciter à cette circulation permanente, vraiment la création d'un écosystème à un très haut niveau. L'autre originalité du concours, c'est qu'il y aura une finale des finales qui sera organisée donc à Barcelone, lors du 4 Years From Now, le lundi 25 février, avec un prix spécial de l'innovation et le prix de l'Eurorégion qui seront remis à ce moment-là. Et on ne peut pas rêver meilleure vitrine, je crois. Des fois, ce n'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde, alors qu'on a l'événement planétaire qui se prête quand même, soutien des startups, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, etc. Alors pour conclure, on a choisi cette année, vous l'avez vu comme thématique, la gestion des flux touristiques. Alors si vous allez sur les réseaux sociaux, on a dédié une première vidéo pour expliquer le choix, etc. Le président Laurent l'a rappelé, on a un programme d'innovation. Et l'innovation, c'est essayer de capter en permanence ce qui est en train d'émerger, et puis même parfois de devancer un peu les thèmes émergents. Alors plusieurs fois, on échoue, d'autres fois, on tape un peu à côté. Quand même suffisamment de retour d'expérience pour avoir identifié la gestion des flux touristiques comme étant un des thèmes les plus importants. Alors on l'a dit, le tourisme a un impact économique très important au sein de l'Eurorégion.
en termes d'employabilité, d'attractivité, en termes de formation aussi, qui est un autre volet de Miro. Mais il y a un autre impact qui est écologique, qui est sociétal, qui est également culturel. Et donc on pensait que le choix de la gestion des flux touristiques se prêtait parfaitement à la thématique de cette deuxième édition de Miro Incube. Donc voilà, j'espère qu'on aura le maximum de candidats, hein, comme tu le rappelais. La précédente édition avait été un succès de ce point de vue. Je crois qu'on peut compter sur une image qui est en train de se construire lentement et qui va permettre de, non pas d'imposer, mais de faire connaître la marque, si vous me permettez l'expression, hein, Miro Incube, et qui montre ce lien à plusieurs niveaux, à travers l'université et l'innovation, qui me semble, moi, très important, à travers les échanges au sein d'un même territoire cohérent, comme peut l'être l'Eurorégion, puis les échanges de pratiques, de savoirs, les transferts, etc. Merci beaucoup. Nous avons préparé une petite vidéo pour vous montrer. Ahora pasaremos al vídeo que hem preparat. S'est lancé de nouveaux défis. Donner une dimension internationale à ce concours d'innovation en le rendant accessible dans quatre langues, français, espagnol, catalan et anglais. La construction d'un site internet entièrement dédié à Miro Incube a été entreprise. Il permettra de faire vivre cet événement sur la toile toute l'année et servira de camp de base à la communication sur les réseaux. Autre challenge, organiser Miro Incube dans trois incubateurs de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée en simultané. Et installer sa finale lors du World Mobile Congress à Barcelone au cours du forum 4 Years From Now qui regroupe start-up et investisseurs chaque année. L'incubateur de l'Université de Perpignan, l'UPD Incube, premier partenaire de ce concours d'innovation, a été rejoint par le Canondrome de Barcelone et le parc des îles Balears, formant ainsi le premier réseau d'incubateurs euro-régional et transfrontalier. Pour que tous les participants aient le même accès à l'information, chaque atelier qui se déroulera dans un incubateur sera retransmis en direct dans les deux autres incubateurs distincts. Et enfin, pour faciliter la circulation de l'information au sein des sites et l'organisation des rendez-vous avec les coachs, le programme Miro a développé une application dédiée à Miro Incube. Avec celle-ci, les participants au concours, les coachs et les partenaires pourront découvrir le profil des participants des trois incubateurs, prendre contact d'un seul clic, trouver une compétence qui leur manquerait parmi tous les intervenants, avoir le déroulé des journées sous les yeux à n'importe quel moment. Le tout accessible sur smartphone et tablette, et toujours en quatre langues. Voilà. Donc, merci beaucoup. Nous allons maintenant connecter avec nos partenaires de Barcelone. Hola, bon dia, Barcelona. Bon dia. Us donem pas. Ara... Donem la paraula a Simon Lee, director de Península. Donc on aura Simon Lee, qui est le director de Península. Merci. Hola, bon dia a tothom. Em sentiu bé? Genial. És tot un honor per nosaltres, com a Península, poder formar part d'aquest consorci, d'aquesta associació com representa les Illes Balears, Perpinyà i Barcelona, per poder encapçalar aquesta iniciativa. Per nosaltres, aquesta unió entre institucions bàsicament genera un multiplicador, un efecte multiplicador en tots els àmbits que estem buscant. El primer de tots, en el talent. Des del punt de vista de talent, multipliquem l'àrea d'abast per poder trobar el millor talent que hi ha en aquesta àrea. Deixem de mirar-nos a nosaltres mateixos per poder mirar una mica més enllà, una mica més enllà dels Pirineus, una mica més enllà del mar. Des del punt de vista d'impacte social, esperem que aquestes iniciatives inspirin, creïn un llegat a la societat, ja sigui mitjançant empreses, ja sigui mitjançant coneixements, ja sigui mitjançant empreses que puguin sortir. Un efecte multiplicador en quant a tots els actius que posem sobre la taula perquè els participants d'aquesta iniciativa doncs, puguin tenir un efecte avantatjós en les seves tasques per a aquesta hackathon.
I sobretot, estem cercant la col·laboració oberta entre entitats. Península és una incubadora d'innovació oberta i què millor que un exemple com aquest de col·laboració entre entitats per poder fomentar l'emprenedoria. Nosaltres gestionem el Canòdrom, que és un edifici que fa 11 anys era un antic canòdrom, aquí es feien curses de gossos, i ara és una incubadora de cultura digital, propietat de l'Ajuntament de Barcelona i gestionat privadament per Península, i aquí, doncs, bàsicament, la nostra raó d'existir és el foment de l'emprenedoria des d'unes etapes molt inicials, on aquest projecte, aquesta iniciativa que encapçala Miró Incube, és un exemple perfecte per la nostra raó de ser, bàsicament. Moltes gràcies. Passo la paraula a en Patrick. Sí. Bonjour a nos amics de Perpinyó. Bon dia als nostres amics també de Balears. Un agraïment a la Universitat de Perpinyà Via Domitia al projecte Miró Incube. Un agraïment i una felicitació. Una felicitació especialment pel nom. De fet, jo crec que quan es va pensar aquest nom pel projecte d'incubadora a la Universitat de Perpinyà ja es feia en perspectiva, perquè si d'alguna forma es volia atraure a Balears i a Catalunya, doncs la figura de Miró efectivament segurament seria la més ben triada per acabar incorporant el projecte Balears i Catalunya. Com a mínim, per part nostra ens sentim absolutament interpel·lats i absolutament còmodes. Quan l'any passat participàvem al jurat de l'edició de Miró Incube al mes de febrer i mentre parlàvem entre els membres del jurat i especialment amb els amics de Balears i d'Occitaní respecte a l'oportunitat que suposava el projecte Miró Incube de generar dinàmiques d'innovació per un sector com és el turístic, que és tremendament important pels nostres tres territoris, dèiem, home, tindria molt sentit, tindria tot el sentit ampliar l'abast d'aquest projecte i que en aquest projecte ens hi poguéssim incorporar doncs, des de Balears i des de Catalunya, aportant d'una forma o altra doncs, valor també en aquesta proposta de transformació del sector, que en definitiva d'això es tracta. I a més, el que comentàvem és, si aquesta euroregió Pirineus-Mediterrània, si aquesta euroregió i aquest territori sumant Occitània, Catalunya i Balears és el primer territori del món amb turisme, no només europeu, sinó la primera destinació regional del món, i a més tenim la capital mundial del mòbil, en aquests dos eixos d'excel·lència, en la intersecció d'aquests dos eixos d'excel·lència, té tot el sentit que aflorin projectes i propostes que millorin l'experiència del visitant a les nostres destinacions. I efectivament el projecte Miró Incube va per aquí. El que pretenem és que surtin idees, que surtin propostes, que surtin projectes que puguin acabar convertint-se efectivament en empreses, en iniciatives que ens ajudin a millorar l'experiència del turista a casa nostra en tota la seva customer journey. Des de la inspiracional del viatge fins efectivament a la part final en la que la gent comparteix les seves experiències a la destinació que ha visitat. A Catalunya estem absolutament compromesos amb això. El nostre pla de màrqueting turístic 2018-2022 ens diu que des de l'Agència Catalana de Turisme ja no ens hem dedicat només a captar turisme ni a retenir turisme, sinó que ens hem dedicat també a millorar l'experiència turística al visitant per mantenir la competitivitat que tenim com a destinació. Si volem seguir sent el que som a nivell mundial com a destinacions, tant Balears com Catalunya com Occitaní, estem obligats a fer aquest pas endavant perquè és el líder el que s'ha de moure i el que ha de ser capaç de començar a empènyer per transformar les dinàmiques del sector. I en aquest cas la tecnologia ha de ser l'autèntica palanca de transformació que ens ajudi a fer això. Nosaltres, en el nostre cas, estem donant suport a aquestes iniciatives, volem seguir insistint en donar suport a l'emprenedoria, en la creació de propostes i en el suport a propostes que puguin millorar l'experiència turística del visitant basades en la tecnologia i, per tant, el nostre suport a Miró Incube és ferm i tenim la voluntat efectivament de que acabi generant-nos propostes que realment siguin transformadores amb la línia d'aquest model turístic que busquem, que és un model turístic que ja no va tant a captar més turisme, sinó sobretot a captar millor turisme, un turisme més responsable, un turisme que sigui ambientalment sostenible, socialment inclusiu i universalment accessible, un turisme experiencial, un turisme més desestacionalitzat, més desconcentrat, que ens permeti posar en valor la nostra diversitat de producte i, evidentment, que generi major despesa i major valor afegit. Per tant, felicitats a la iniciativa, esperem que tingui molta i molta repercussió, que hi hagi moltes bones idees que surtin de tot això i que, efectivament, les puguem aprofitar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Barcelona. Donc, on connecta avec nos partenaires de Palma. Bon dia, Palma. Em sentiu? Bon dia. Bon dia. Sí, des de Perpinyà. Sí, ens sentim. Perfecte. Doncs
Donem pas, comencem amb la senyora Isabel Busquets Hidalgo, de la vicepresidència i la Conselleria d'Innovació i Turisme de les Illes Balears. On commence avec madame Hidalgo, c'est la vice-présidente de la région des Îles Balears. Se sent bé? Perfecte. Perfecte. Bé, el que aquí ja se n'ha parlat molt d'aquests projectes, Miró InCube, que hem de dir que posa en valor tota una sèrie de voluntats que traspassen fronteres. Compartim molta d'història comuna entre Perpinyà, entre Barcelona, però també compartim molta realitat en aquests moments, sigui per qüestions econòmiques, sigui per aquesta voluntat d'avançar cap a innovació turística. Per això, les Illes Balears demostren amb la participació en aquest projecte que volen continuar formant part d'estant a la vanguarda de la innovació turística, perquè es tracta al cap i a la fi és de dur endavant projectes que portin solucions en els reptes que ens planteja el turisme per tal de que sigui un model sostenible i que aquests projectes en el final se complementen amb aquell camí que ha traçat el govern durant aquesta legislatura. Quan parlam de realitats derivades de l'activitat turística, parlam a donar resposta a totes unes realitats com són l'augment de la demanda energètica, amb la conseqüent augment de les emissions de CO2, o amb la gestió de residus, o amb l'encariment del preu de la propietat privada, o amb l'augment del trànsit rodat, amb la necessitat de més transport públic, amb el deteriorament del patrimoni natural i cultural, tota una sèrie de problemes que requereixen unes respostes. I per tal de donar unes respostes, el que fem és fer-ho com sempre hem fet, que és col·laborant. Col·laborant gràcies a aquest programa que és Emprenbit, que és un programa de més de 10 anys que funciona donant això, donant acollida a aquelles empreses que aposten per la innovació a través d'uns serveis d'informació i suport en els emprenedors, donant també resposta a través de cedir les infraestructures per tal de crear espais col·laboratius allà on se pugui avançar cap a l'economia dels coneixements a través de la innovació i també oferint aquests espais de treball compartit, aquest networking i accés al sistema emprenedor. També ho fem col·laborant amb la Universitat de les Illes Balears, en el rector de la qual li cediré en breus moments la paraula, perquè és aquest generador de persones que poden participar a través dels seus coneixements, participar també en tots aquests projectes, perquè a través de la universitat, col·laborant amb ells, és la manera de captar talent i de promoure en el final tant la creació d'empreses innovadores com també la creació de llocs de treball d'alta qualificació. I per acabar, simplement, me toca donar les gràcies a totes aquelles persones que ho heu fet possible, que treballen perquè el projecte Miró InCube sigui un èxit. Estic impacient de veure resultats perquè serà molt important per continuar traçant l'estratègia econòmica del nostre govern i també agrair a totes aquelles persones que presentaran projectes perquè a través d'aquest projecte es farem avançar sempre no diria, els llocs de treball de qualitat per poder també fer avançar aquesta comunitat nostra en la diversificació del model econòmic i amb un teixit productiu competitiu i innovador. Per tant, moltes gràcies i cedeix la paraula al rector de la universitat. Moltes gràcies, vicepresidenta. Tout d'abord, un gran bonjour a nos amis de Perpinyà, especial a Fabrice. Je suis content de te retrouver, même si c'est per vídeo. I també una salutació als amics de Barcelona.
Jo, com a rector de la Universitat de les Illes Balears, vull començar amb un agraïment especial a vicepresidència, a la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, que ens faci participar en aquest projecte que ens sembla engrescador i ens sembla també important per a la nostra comunitat. Col·laborar amb altres universitats i amb altres institucions és un repte que tenim d'internacionalització de la nostra universitat i, finalment, això també ens permet compartir valors culturals i reptes de futur. El cas aquest de fer una competició en turisme sostenible ens sembla molt, molt assenyat pel seu contingut i també pels reptes de futur que representa. Aquí s'ha parlat d'una iniciativa que és transfronterera, però jo també diria que acaba sent transmèdia, com la conferència d'avui, i que per la nostra universitat representa la transversalitat, és a dir, tres trans darrere un mateix objectiu, i és intentar això, definir el futur d'aquest turisme que cada vegada tenim la necessitat de que sigui més sostenible. Nosaltres pensem que això implica l'economia, implica territori, implica tecnologia, implica dret, des del punt de vista també jurídic, implica medi ambient, i finalment d'aquestes competicions, jo diria, tan importants, poden sortir línies que marquin l'agenda del futur polític del tractament del turisme. Com a universitat, el que agafem aquí és el compromís de difondre dintre de les nostres possibilitats a través de la Fundació Universitat d'Empresa, del Club d'Emprenedoria, a través del Centre de Postgrau i de Doctorat, perquè també s'impliquin en els diferents graus que tinguin quelcom que dir, perquè realment hi hagi el màxim de participació. Jo el que voldria era això, des d'aquí un compromís per intentar encoratjar a l'alumnat de la universitat perquè participin en aquest concurs d'idees, que es facin competitius, facin valer la seva iniciativa i finalment també demostrar el talent en funció per al turisme del futur. Jo crec que en definitiva es presentaran noves solucions, es presentaran projectes innovadors, segurament també alguna idea que pot acabar sent d'aquesta incubadora un spin-off o un start-up, i que finalment jo crec que el que farem és que entre tots acabem somiant en què realment podem tenir una comunitat, en aquest cas de les Illes Balears, però també segurament a Barcelona i també a Perpinyà, que cada vegada també sigui més sostenible. Moltes gràcies i augurar una gran participació i un gran èxit en aquesta convocatòria de Mirroring Cube. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Palma. Moltes gràcies, senyor Huguet, senyora Busquets, senyor Torrent, senyor Lee. Ara passarem al torn de preguntes i respostes. Començarem per Perpinyà. On commencera avec les questions de Perpignan. Donc si vous avez des questions pour nos intervenants, que ce soit Perpignan, Palma ou Barcelone, c'est le moment. Il y a des questions? Oui. Alors, je vous passe. Oui. Ah, attendez. Voilà, c'est pour... Merci. Jean-Marc Kelly. Donc... et actuellement travaillant sur le projet d'université européenne. Alors justement, le président Laurenté a signalé que actuellement nous sommes sur un projet d'université européenne avec bien sûr un consortium qui comprend des universités catalanes, dont les îles Baléares en particulier. Et ma question, elle est dans le cadre de ce projet qui a trait à l'innovation, puisque dans l'appel d'offres, il est question d'innovation également, hein, il est question de pédagogie, bien sûr, de formation, mais également d'innovation. Comment vous envisagez l'élargissement hein, de ce partenariat, hein, puisque si notre projet est retenu, il y aura une période pilote de 3 ans, au cours de laquelle il serait important d'élargir ce partenariat. Est-ce que vous avez déjà des contacts avec en particulier les partenaires de notre projet Université européenne, c'est-à-dire Gérone et Leïda? Oui, alors, effectivement, ce projet qui nous anime en ce moment, et je,
Je vois mon collègue et ami recteur des îles Baléares en disant ça. Donc effectivement, on est un consortium actuel de 8 universités sur la question. Et inévitablement que la question de l'innovation, de l'incubation d'entreprises et bien sûr de la diffusion se fait jour dans le projet, inévitablement. En revanche, je pense que ce qui est très important à mon sens, c'est d'aller progressivement sur ces logiques-là, c'est-à-dire qu'on passe quand même là très vite d'un projet qui était très localisé, hein, qui était sur Perpignan l'an dernier. Là, on est déjà à une échelle magnifique et euro-régionale avec Barcelone et les îles Baléares. On verra aussi avec le réseau des incubateurs, je pense, et nos partenaires, comment on peut-être faire évoluer l'action. Est-ce que c'est celle-ci qui pourrait s'étendre ? Est-ce que c'est une complémentaire qui viendrait dans le cadre du projet de l'Université européenne ? Ça, c'est à déterminer. En tout cas, le lien sera inévitable et souhaité. Hein, il faut que ça soit porteur de sens et qu'à un moment donné, on puisse le porter ensemble. Ce que je pense, moi, c'est que déjà, on va éprouver, travailler, mesurer l'impact de ce concours de cette année 2019. À cette échelle là, voir un petit peu les retombées, voir l'impact en termes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le but, entre autres choses quand même, c'est outre la stimulation et la création, c'est aussi derrière, avec les prix qui sont proposés, c'est d'incuber des projets qui tiennent la route, qui puissent apporter des plus-values en matière donc sur la thématique choisie dans le cadre de l'Eurorégion, mais de façon générale sur les thématiques à l'échelle mondiale. Donc, on est sur ces ambitions-là d'abord. Donc, il y a une visée quand même très pratique aussi, pragmatique, et de faire émerger des projets ensemble, et finalement de repérer, détecter, accompagner, pour être plus fort ensemble, dans ces domaines-là. Je dirais quand même que ce qui nous unit ici autour de Miro Incube depuis 2 ans, c'est aussi la thématique, puisqu'on est quand même sur une thématique très tournée tourisme. Rien ne nous empêche aussi de réfléchir dans le cadre du projet d'université européenne à essaimer sur d'autres thématiques. Voilà. Mais je pense que là, on a déjà une belle voilure à tester, à éprouver, à faire fonctionner et à réussir. Et ça, c'est un vrai challenge, hein, que nous avons en commun. On sera à temps, effectivement, de voir quoi et comment pour un projet à plus grande échelle. Voilà. Merci. Vous avez d'autres questions, peut-être pour Barcelone ou Palma ? Non ? Per aquest tema, dic que des de les Illes Balears hem tingut un impuls important des del govern per intentar estar amb aquesta xarxa, per fer aquesta unitat europea. Segurament el dia, em sembla que és el dia 4 de febrer, quan hi ha el canvi de presidència a Barcelona, segurament també és un bon moment per anar avançant. La persona de la nostra universitat, el vicerrector d'Investigació i Relacions i Internacionalització, és el que està portant el tema, està bastant animat perquè se va confegint ja una temàtica que pot ser important i que bàsicament el seu conducte serà tot l'aspecte transfronterer. Per tant, nosaltres estem molt il·lusionats en que realment pugui sortir aquesta idea d'una universitat europea i dintre d'aquests socis de l'Universitat de Girona, de Lleida, de Perpinyà i també d'universitats d'Itàlia. Per tant, crec que es definirà un bon futur. Molt bé, moltes gràcies. On passe au tour des questions pour Barcelone. Donc Barcelona, passons à vostres preguntes. No sé si hi ha preguntes a la sala. Sí? No? Palma? Jo no és una pregunta, però jo crec que segurament seré redundant. Jo el que em sembla que és molt important per aquest tipus de col·laboracions i per al tipus d'intentar fer una competició entre universitaris o entre persones que estan en el tema, de que realment sapiguem en cada una de les 3 regions
quina és la persona responsable per intentar contactar i contrastar el que s'està fent a cada una d'aquestes incubadores. No sé si ho teniu definit. Estic mirant aquí el director general, que està molt il·lusionat, o el director de la Fundació BID, si realment tenim detectat la persona a Balears que realment coordinarà tot aquest projecte perquè puguem estar en contacte amb les altres dues regions. Sí, sobretot a nivell de l'incubadora, que tenim els tècnics del programa emprendit, amb els quals s'està en coordinació amb Perpinyà i Barcelona, i a partir d'aquí, i totes les persones que venguin a participar en aquest hackató, hi haurà la coordinació de l'equip per coordinar tot aquest desenvolupament de les idees, la visita després, que ja tenim certa experiència de visita en el Fòrum 4Gs From Now, no? que és aquesta trobada al voltant del mobile sobre empreses d'estats, empreses innovadores, no? I també lligat a la nostra presència també els meus dies al mobile, que per primera vegada sí que en el camp estan. Però vaja, que tenim l'equip d'Emprendit, que serà juntament amb l'equip que tenim d'innovació, de suport a empreses innovadores, els que donaran suport a tot aquest ecosistema. Jo ja volia dir, en coordinació amb Canòdrom de Catalunya, no? O de Barcelona, no? I en combinació, per això, que persones amb noms i llinatges que siguin realment els responsables de cada un dels tres pols d'aquest certamen. No? Sí, a Balears tenim, no? Nosaltres, la universitat, a través del vicerrectorat d'Innovació i Relacions Institucionals, coordinarà la universitat. Clar, tu mateix. Hi ha frontera. Sí. Per tant, això el que volia dir. Per saber aquí això, no? On toca. A Barcelona, molt bé, doncs. També alguna persona així. En Simon. Està perfecte. No? I na Sara, però ja està. Ja tenim el triangle perfecte. Hola, què tal? Ens sentiu des de Barcelona? Sí. Sóc el Jordi Llong, jo lideraré la... Se'n veu? Sí. Jo sóc la persona que liderarà el hackathon des d'aquí, llavors qualsevol dubte que tingueu, no tingueu cap problema en preguntar-me a mi. Tenim a la persona que toquem. Perfecte. Molt bé. I crec que tenim alguna pregunta aquí de Barcelona, que algun curiós que abans no s'ha atrevit a parlar. Si tenim 5 minuts, podem compartir preguntes? Molt bé, sí, donem pas a les preguntes de Barcelona. Molt bé, abans, sisplau. Hola, perdoneu. Jo conec una mica el que seria, i la senyora Isabel també ho ha apuntat, el que seria la problemàtica a Barcelona i a les illes sobre certa massificació del turisme i sobre certs problemes que poden comportar en la població que hi viu. No sé si aquests són problemes que poden també ser a Perpinyà, que quan hi he estat no he vist aquesta sèrie de problemes. No? Llavors, aquesta no sincronització d'alguna manera en els objectius que poden haver-hi darrere de lo que podrien ser les idees que puguin aportar els emprenedors, com es soluciona? Per exemple, un emprenedor que vol fer una idea sobre turisme, té uns paràmetres que és l'econòmic, que és tota una sèrie d'històries, que és amb els que es fixa per intentar fer idees sostenibles des d'una perspectiva econòmica i des d'una perspectiva de negoci. Però quan parlem d'una sèrie de problemes que no tenen uns valors tan definits i que en un entorn tan variat com entenc que és aquest, quines bases tindrà l'emprenedor per guiar-se, per intentar reeixir en aquest concurs? No sé si s'ha entès la pregunta, eh? Qui vol respondre a la pregunta? Sí. L'entorn és variable, entenc. No és un, sí. No és un lloc com unes... En francès o en català? En francès, c'est traduit? Potser en català directament? Sí, potser en català. Bueno, jo el nom de les tres regions, primer discrepo una mica en el sentit que tot i que a Occitània la visió que tenim o que teniu des de fora que no hi ha tanta pressió turística no és ben bé cert, perquè sí que hi ha la pressió turística. Potser la diferència és que la pressió és molt limitada en una zona a Occitània, però
com el Patrick Torrent ho ha dit molt bé, els tres governs, els tres territoris tenen exactament la mateixa problemàtica. La sazonalitat, intentar millorar el nivell i el valor afegit del turisme, intentar també en el territori trobar un equilibri de turisme i d'oferta turística. Jo penso que qualsevol emprenedor, el seu model econòmic i el seu producte pot ser viable tant a Catalunya com a Occitània. Realment són, i per mi que visc una banda un peu allà, un peu aquí, realment són els mateixos territoris. És veritat que a les illes pot ser hi ha una intensitat, una densitat molt més forta, però ells també, si te'n vas a Menorca, quan entres a l'illa, en seguida et trobes en un territori una mica més comparat a l'Occitània, la mateixa cosa a Eivissa. Jo penso que tenim imatges, però a vegades els que conec el territori, coneix el territori, sap molt bé que qualsevol emprenedor, el seu producte pot ser útil i viable en els tres. I més enllà, la problemàtica turística mundial moderna és la mateixa que siguis a la costa mediterrània o a la costa ara mateix de Miami o de China. I l'altra cosa és, durant, si entes bé, durant per el projecte emprenedor, durant els tres dies hi haurà coach, hi haurà consells justament per respondre a aquestes preguntes i adaptar el producte a la necessitat tant del mercat com del territori. Jo penso que justament és la plusvalia, el valor afegit d'aquest projecte, que hi haurà en cada lloc els millors professionals, millors experts del domini. Sí, jo volia afegir, no sé si se'm sent, se'm sent des de Perpinyà i des de Palma? Perfecte. Perfecte. No, volia afegir al comentari d'en Xavier que els tres territoris que estem implicats en el projecte Miró Incub, tant Occitaní com Balears com Catalunya, fem part de la xarxa Nextur, que és la xarxa europea de regions per un turisme sostenible i competitiu que actualment presideix Catalunya. El compromís, per tant, per aquest model de turisme sostenible i competitiu és per part de tots tres territoris, per part de tot. Això ho hem comentat moltes vegades amb Balears, amb en Jaume Alzamora, amb l'Igor també, a Occitània ho hem parlat en diverses ocasions. Tenim un model equivalent perquè compartim molta problemàtica, com comentava el Xavier, la qüestió de la sostenibilitat social i cultural del turisme, però també ambiental, és una problemàtica compartida. I per tant, el que nosaltres voldríem aprofitar d'aquest Miró Incub, i això haurem de veure doncs, com s'incardina les pròpies bases del treball, és que hauríem d'afavorir propostes que ens ajudessin en la generació d'aquestes experiències que nosaltres en diem de les 4Ds, de desestacionalització, desconcentració i valoració de la diversitat i que en definitiva generen un valor superior al territori i més ben distribuït. Bàsicament és aquest el fonament que nosaltres, almenys com a Agència Catalana de Turisme i com a Govern de Catalunya, estem compromesos a perseguir. Per tant, en la mesura en la que puguem impulsar les idees, la creativitat, la innovació cap a aquests àmbits, creiem que tindrem oportunitat. La tecnologia té una capacitat de transformació i de millora del model increïble, que fins ara s'ha aprofitat ben poc. Hi ha estudis molt potents fets sobre la ciutat de Barcelona amb àmbits de concentració altíssima de turisme, com és l'espai de la Sagrada Família, on la tecnologia realment pot ajudar molt a generar fluxos molt més sostenibles social i culturalment i fer una experiència millor pel visitant, però també una experiència millor pel propi resident, perquè evita doncs, àmbits de concentració que fins ara eren més complicats de gestionar. Per tant, el que volem és utilitzar també la tecnologia com a palanca de transformació cap a aquest model més sostenible i més competitiu. Molt bé, moltes gràcies. No sé si hi ha més preguntes des de Barcelona. Sí, tenim una altra. Molt bé. Hola, bon dia. El meu nom és Àngel Corral, de URM Business. Vam estar a Perpinyà allà exposant una de les nostres solucions. Sí, bon dia. La meva pregunta, he vist que hi ha 5.000 euros per el que és la millor idea i després hi ha 3, el que serien 3, per el que veig aquí, no sé si és correcte. Hi ha 3 empreses que d'alguna manera ofereixen alguns serveis, però a mi m'agradaria anar una mica més enllà, no? Si aquesta idea rep el premi i després es vol realitzar o acabar de el que seria acabar-la de fer, tot el que és quins recursos podem nosaltres tindre per finalitzar-la? No sé si hi ha potser inversió privada, inversió pública,
o quin és aquesta fulla de ruta per donar, finalment, per crear aquesta nova idea i crear un producte d'això, vaja. Gràcies. Perdó. Sí, no, simplement des de Palma informar que el que tindrà és una acollida, una estada gratuïta a cadascuna de les tres incubadores, per tal de, a partir d'aquí, anar desenvolupant el projecte. El Banco, des d'aquí, és el que se suggereix. No sé si hi ha algú que pugui concretar alguna qüestió més. I aprofit per acomiadar el rector de la Universitat de Palma, que de les Illes Balears, que té un altre acte en aquest moment i haurà de marxar, i jo en pocs minuts també us hauré de deixar per altres qüestions d'agenda. Pour répondre à la question, dans le cadre de Perpignan, le concours a été construit de manière très homogène. On a appréhendé le territoire comme un seul territoire, les trois lieux, les gagnants bénéficient en chaque lieu de la même récompense financière, si je puis dire, et du même type d'accompagnement, tant en durée qu'en service. Et on a accompagné ces prix de mois de mobilité qui permettent vraiment aux gagnants de bénéficier des spécificités, des spécialités de chacun des incubateurs. Donc qu'il s'agisse de liens avec le tissu économique privé, public, des possibilités de financement, d'accompagnement technologique ou autre, normalement le gagnant trouvera en chaque lieu ce qu'il cherche. Surtout, on veut inciter aux échanges et à la mobilité. Donc nous allons conclure cette conférence de presse. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le streaming, les personnes qui nous suivent, c'est bon. Donc je donne la parole à monsieur Fabrice Laurent. Terminarem aquesta roda de premsa amb una última intervenció del senyor Fabrice Laurent, president de la Universitat de Perpinyà. Oui, bon, très rapidement, pour donner plus une perspective qu'une conclusion, c'est vrai qu'on a entendu un petit peu là l'engagement, hein, finalement, qui était celui des partenaires, et puis l'engouement qui est un peu nôtre. Alors on espère qu'on arrivera à transmettre aussi cet engouement, hein, pour ce concours, et qu'on arrivera, grâce à notamment au travail des journalistes, à diffuser très largement donc ce concours pour qu'il y ait le plus de candidats et de connexions possibles autour de cet événement. Simplement, je voulais quand même insister en remerciant tout particulièrement, bien sûr, nos partenaires, et ils sont nombreux, parce qu'il y a aussi les partenaires, bien sûr, d'activités liées au sujet, au thème, mais il y a aussi bien d'autres partenaires, et vous le verrez sur les trois sites entre le 20 et le 22. Je voulais remercier aussi énormément tous les coachs qui vont s'impliquer, parce que c'est quand même des gens qui vont passer pas loin de 56 heures avec nos porteurs de projets pendant cette période-là. Donc c'est quand même assez particulier. Je tiens vraiment, vraiment à les féliciter, à les remercier. Toutes les équipes d'appui, bien sûr, au premier chef desquelles l'équipe Miro, qui fait un travail remarquable en la matière. Et puis voilà, alors quelques vœux pour dire que j'espère que vraiment ça va être aussi l'occasion de diffuser, de connecter, d'imaginer ensemble, qu'il y ait de nouveaux projets qui émergent, parce qu'on sait très bien que lors de ces concours, on arrive peut-être avec une idée, un pré-projet, et parfois on en sort 56 heures après avec tout autre chose, et c'est ça aussi tout l'intérêt et la richesse des rencontres, du coaching et finalement de la mise en présence. Donc c'est tout le charme et l'intérêt de ce genre de concours, hein. C'est que là, quand on n'a que ça à penser, que ça à faire, et finalement à percoler, hein, perfuser, mais aussi irriguer pendant ce temps-là, c'est absolument remarquable. Et ce n'est pas les quelques collègues ou coachs que j'ai dans la salle là qui diront le contraire, parce que c'est enrichissant pour tous et pour toutes. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Il faut aussi faire passer le message de la désinhibition. Hein, voilà, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées, hein, il n'y a que des mauvais porteurs qui ne seront pas capables de porter leurs projets ou leurs idées. Mais véritablement, il faut venir éprouver, tester, challenger, défier,
essayer, voilà, en se désinhibant et puis en disant ben, on y va et on verra bien ce que ça donne. Voilà, je pense que ça c'est très important, en tout cas c'est, on est là pour ça, je crois que les trois sites sont extrêmement déterminés pour l'accompagner, donc maintenant il n'y a plus qu'à. On n'attend plus que les projets et les porteurs, et donc on a besoin de vous aussi pour pouvoir le diffuser le plus largement possible. Voilà. Enfin, je remercierai aussi et je ferai un petit salut à Carles Grau, le patron du World Congress, du World Mobile Capital de Barcelone, qui était venu d'ailleurs à Perpignan il y a quelques mois nous faire notre première conférence In Days sur l'innovation avec la fondation UPVD, qu'on a trouvé absolument formidable. Et c'est grâce à ce moment-là qu'on a imaginer la finale durant le Four Years From Now, et on en est particulièrement heureux. Donc voilà, l'accompagnement de M. Grau sur la question a été prédominante et très appréciée. Je voulais aussi le remercier. Puis on a d'autres projets ensemble aussi autour d'une déclinaison peut-être sur Perpignan d'initiatives autour de ce mobile World Congress. Et voilà, on a peut-être des pistes de travail qui se feront autour de Mobile Week sur Perpignan. Voilà, donc je voulais donner aussi d'autres pistes de travail. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente des îles Baléares aussi, pour votre soutien et accompagnement. Merci à nos amis barcelonais, au premier rang desquels Simon Lee, puisqu'on commence à bien se connaître maintenant, et j'en suis très heureux. Et vous voyez simplement, j'ai un petit message à faire passer aux Perpignanais, aux médias, c'est de dire que vous voyez très bien qu'on peut continuer à faire de beaux projets ambitieux, qualitatifs, avec des partenaires de prestige et de renom, même depuis Perpignan. Voilà. Et je dirais même aujourd'hui, dans le cadre de l'Eurorégion, encore plus et surtout à Perpignan. Parce qu'on est quand même au cœur de cette magnifique Eurorégion, et qu'il faut aussi maintenant s'appuyer sur ces réseaux qualitatifs. Et là aussi, je pense, se désinhiber pour pouvoir faire. Merci a tous. Merci beaucoup, merci, moltes gràcies als nostres companys de Palma i de Barcelona. Gràcies.